on est là ici aujourd'hui pour la cérémonie de diplôme pour le programme World Coaches. C'est un programme qui est une coopération entre la Fédération de foot sénégalaise avec la Fédération de foot néerlandaise. Ici à Ziguinchor, donc j'étais accompagnée avec Madame la représentante de la mairie et Aïcha Ndiaye qui gère le programme ici pour nous, avec un groupe de jeunes coaches qui ont été formés ici pendant 5 jours à Ziguinchor. Bon, le choix pour Ziguinchor hein, et pour l'école, c'est qu'on croit beaucoup au développement via le sport et il faut sortir aussi de Dakar, donc il faut le faire dans les régions. On est très fiers d'être ici en Casamance pour faire cette formation. Et via ce programme pour former les coaches qui peuvent contribuer au développement des jeunes, au développement de personnalité des jeunes dans le sport, mais aussi dans tout ce qui est développement de la commune. On a organisé cette section, ça fait le lever niveau 2, avec le programme World Coach. On a voulu organiser ça pour que ça se consulte avec l'anniversaire du naufrage Djola. Comme d'autres le savaient, j'étais l'entraîneur de cette école de football qui est restée dans le naufrage, qui s'appelle Mamoudou Marim Diallo. Et aujourd'hui, on a aussi des parents néerlandais, ça veut dire un frère et sœur qui sont restés dans ce naufrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette visite de notre excellence ambassadrice qui est venue nous accompagner à la commémoration de cet anniversaire de naufrage du bateau de Djola. Et aujourd'hui, on dit qu'on va venir ensemble, être là ensemble, pour en mémoire de ces victimes du naufrage du bateau de Djola 2002. Ce qui fait qu'on a choisi cette date pour en même temps immortaliser cette journée du 26 septembre qui ne sortira jamais dans nos cœurs. Effectivement, c'est un encouragement parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que World Coach, on ne prépare juste pas que des coachs. On prépare des coachs avec leurs compétences de vie, des leaders qui vont retourner dans leur société, préparer les jeunes pour un lendemain meilleur. Kenn ku ne xam na ni 26 septembre bis la bi nga xamantene kenn du ko faté ci aduna bi rawatina ñun wa Casamance ñi ngi jaalat képp ki nga xamantene njabotam déssone na ci bateau bi ñun ñëpp ño bokk tis bi nan ko xamé lool té ñaan yalla ñom fu ñu né mu gënal leen fi ñu joggé ci ñuy def ni ci walu football bi té ñu xam ni ñenn ci ñun ñi doon dem ci bateau la Djola dem bëgg dem footballi côté Dakar bi jogi won fi Ziguinchor déssone nañ ci ñu ngi leen di wax té ñu xam ni ño leen fi nekkal tay té li nga xamantene moy walu sport bi rawatina football bi daanu ko jëmele kanam té dinañ ci am développement bu jigi dayo ma ngi leen di jaajeufal di leen delo ndukkel surtout jigeen yi man ci lumay gëna focaliser wu moy le leadership féminin Casamance ñun sant nañu gëreem nañu ndax am nañu benn leader bi nga xamantene comme le coach Aïcha Henriette Ndiaye kenn ku ne xam na ni coach Aïcha Henriette Ndiaye modèle la kenn ku ne bu sukkandiko ci fimu tek sport ak fimu ko bëgg jëmele bu nu gorgorlué touti rek ñun jigéen yi dina nu dominer té xamna né engagement ak détermination bu nekké ci jigéen lu mu bëgg da koy am.